Salut, c'est Jeff. Bon, alors j'ai été voir ce film dont on a rabattu, que j'avais vu il y a 9 ans. J'allais trouver une successeur. Alors non, ça ne s'est pas passé. Malheureusement, il y a 9 ans. Et on refait une suite, mais une préquelle. C'est-à-dire ce qui s'est passé avant. Il s'agit de ce film, hein, c'était Esther. Je vais vous faire un résumé, une petite fille d'Estonie qui a été adoptée, qui s'est fait passer pour une fille qui avait disparu et qui se fait adopter dans une famille américaine. Mais voilà un peu le topo. Et il y aurait eu, ce serait été inspiré d'une histoire vraie. Bon, ça, c'est ce qu'on dit. C'est vrai. Non, c'est vrai. Mais on va parler donc du préquel, bordel. Ah, c'est par ce film-là qu'ils auraient dû commencer. Parce que franchement, il y a beaucoup de défauts. C'est pas un mauvais film, mais il y a beaucoup de défauts. On se demande même pourquoi l'actrice qui a joué ça. Le film est sorti en 2009. Donc elle a 13 ans. Elle a pris 13 ans d'un coup. Elle a 25 ans maintenant. Ils auraient pu faire moins une espèce de des graphiques, des effets numériques pour essayer. Non, il paraît qu'elle a fait des doublures, il y a eu des doublures, mais c'est tout. Vraiment, bordel. Beaucoup trop de facilité scénaristique. Ouais, attendez, je vais vous expliquer, vous allez voir, ça va être très simple. Non, mais ils veulent tellement se pécher, ils n'ont pas expliqué ce qui s'est passé avant. Son enfance. Pourquoi elle est venue comme ça? Moi, je sais. Mon enfant, ça n'a pas été facile. L'enfant de Jésus, mon Dieu. Mais bon. Mais au lieu de ça, non, on n'en sait rien. On la retrouve dans son asile, et puis c'est tout. Et elle s'évade. Comme ça, facile. Incroyable, mais vrai. Mais c'est incroyable, bordel. C'est pas mauvais. Et elle se fait annoncer par la première famille. Dans la première famille, d'avant la famille. Vous voyez un peu le truc là. Ça, c'était sa famille, mais c'est pas la DD. Elle avait disparu, elle s'est fait passer pour cette fille, et elle va au travail, et après, elle va se faire adopter. Voilà le truc. Il faut voir les 1 et les 2, hein, parce que après, ça venait un peu. Ouais, ça venait. Comment ils se sont pu se faire avoir, ces gens-là. Aïe. Elle a fait son mot de revenir, en faisant croire qu'elle a été kidnappée, puis cachée en Russie. C'était l'Estonie. Mais là. C'est pas un mauvais film quand même. Hein. C'est lisse, ça s'est regardé. Mais ce film est sauvé grâce à un twist. Et je donne le salopard. Et va vous spoiler. Bon. Alors j'attends un peu. Attends un petit peu. Voilà, tu fais pas. De toute façon, personne n'a verra cette vidéo, donc. La famille. Esther. Elle n'a pas été disparue, kidnappée, pas du tout. La famille. Elle a tué Esther. Ouais. Alors vous imaginez quand il va débarquer la fille qui se fait passer pour Esther. Putain, ils ont tout de suite que c'était une arnaque. Ils ont tout de suite. Pas con. Voilà. Eh ouais, fallait oser, hein. Voilà, c'est le seul truc qui sauve le film à peu près, parce que le reste, la mère joue pas terrible, hein. La fille, Esther, elle est bien, rien à dire. Une gamine, c'est plus une gamine, elle a 25 ans, ils ont beau lui mettre des maquillages, tout ce qu'il faut. Non, il n'y arrivera pas. Mais qu'ils sont bêtes en plus. Oh là là. Voilà. Bon, je recommande à voir par curiosité, mais vous serez. Il va être déçu, certains vont être déçus, d'autres pas. Mais vraiment, quel bizarre. Voilà, un si beau truc comme ça. Voilà, allez, tous, moi je vous laisse encore des trucs encore. Salut.